Alors Solène, parlez-nous de ce travail de... C'était aussi cette exposition est aussi un travail de communication de votre part, enfin de l'école. Exactement. Moi, je suis en section professionnelle au lycée de Terrasson, en section accueil, justement. Et du coup, je voulais relier ce que j'aime un peu, donc l'art, et ma section, donc accueil. Et en fait, je voulais pouvoir donner l'occasion aux élèves qui sont en spécialité en option art de pouvoir avoir l'occasion de présenter leur production. Et à côté, moi, ça me permettait du coup de pouvoir travailler sur ma section, donc accueillir les gens, parler avec eux, et du coup aussi organiser un projet qui est compris dans mes examens. Donc c'était en lien avec le lycée. Donc vous avez trouvé la salle auprès de la mairie? C'est ça, exactement. J'ai fait les démarches auprès de la mairie, qui du coup ont bien voulu nous prêter la salle. Voilà. Et après, notre travail, c'est celui de contacter la presse, faire le maximum d'écho autour de l'exposition. C'est ça, de faire un peu de la promotion avec les affiches, avec les réseaux, avec la presse aussi du coup. Et oui, ça a été un travail un peu de pouvoir mettre en lumière aussi, parce que c'est vrai qu'en tant qu'élève, ça a été mon premier projet. Donc j'ai eu quelques petites difficultés. Les enseignants en général m'ont beaucoup aidé. Ça a été un bon projet. C'est un travail de groupe en même temps. Hein. C'est ça, on a été très très solidaires entre nous, encouragés aussi. Donc oui, ça a été très très... ça a été un bon moment. Merci à vous. Merci beaucoup à vous aussi.